Regard sur la femme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Regard sur la femme. Nous avons pour objectif, vous savez, de mettre en lumière toutes ces femmes qui se démarquent dans tel ou tel autre domaine. Les portes sont également ouvertes pour vous. Et aujourd'hui, nous parlons encore de la femme dans la politique. Particulièrement aujourd'hui, nous parlons de l'impact de la femme politique. Oui, elles ne sont pas majoritaires, oui, c'est vrai. Mais les quelques femmes qui, en tout cas, se démarquent dans ces domaines-là, laissent leur empreinte. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons recevoir sur ces plateaux une femme, actrice politique, qui aussi laisse des traces, qui aussi, avec amour et passion, travaille pour l'intérêt de ces pays. Êtes-vous pour la femme dans la politique? Oui, non, nous le serons ici sur ces plateaux. La femme laisse-t-elle des traces? A-t-elle de l'impact dans la politique? Oui, non, nous le saurons sur ces plateaux. Alors, sur ce plateau, je reçois Mme Marie-Claire Assoumini, à qui je dis bonjour. Bonjour, Mme Rachel. Elle est cadre actrice politique, mais aussi cadre dans une direction, dans une entreprise publique de la place. Oui, c'est ça. Alors, Mme Marie-Claire, avant de parler, d'échanger avec vous, puisque nous parlons de l'impact de la femme politique en RDC, nous allons suivre d'abord cet élément. Puisque c'est regard sur la femme, il n'y a pas que la femme qui a un regard sur elle-même, il y a aussi les hommes qui ont un regard sur la femme politique en République démocratique du Congo, bien sûr. Alors, suivons cet élément, et puis nous allons revenir tout juste après pour notre suite. On ne peut qu'encourager puisque la femme d'abord est formée. Hein, ça veut dire qu'on est déjà dans l'émancipation. Homme-femme, c'est la même chose. Mais au moins, il y a un petit espoir parce que les hommes ont trop déçu, hein, vous voyez. On peut espérer sur les femmes. L'honnêteté, la sensibilité, elles ont prouvé leur valeur. Parce qu'on n'a jamais entendu une femme, par exemple, détourner une somme exorbitante, tout cela. Les femmes sont un peu plus conscientes. Hein, les hommes osent un peu tout. Ils sont peut-être habitués ainsi. Mais les femmes, peut-être, par leur nature de femme, elles sont maman quoi. Et pour Nanga, ma maman n'a pas basi. Tout ça, il y a une finité. Nous avons comité. Donc vraiment, ma maman n'a pas basi. Dans le domaine de la politique, maintenant, nous vraiment un comité place auto. Il n'y a qu'une base là. Tout ça, bunda pour la parité, pour l'émancipation, mais basi dans le domaine de la politique, en tout cas, jusqu'à présent. Molle, hein, d'abord toujours, non, nous, comité. Bon, tout ce que prêche, bango, nous, excusez-moi, une compétence, hein. Compétence, au mobile, à la canon, la gestion, l'administration. Moi, si nous avons comme une efficacité, voilà. Puis en plus, tout ce que, malgré tout, mais tout ce que, qui est basé, toujours dépendance, na mi bali kaka. Donc, le lot, na RDC, le lot, ce que tu peux, si moi, si, exemple, la présence de la République, tu peux s'attendre à un fiasco total. Vima Kamoto, là, on va Esther, on va Angé, tout ça, on va criminel économique, on va commerce de plus en plus grave parce que rigueur à moi si Pinza et Zalaté. Donc, pour Nanga, moi si vraiment la politique, c'est bien, tout ça, on va côté, mais efficacité, on a Pinza dans le comité. Mon avis par rapport à l'impact de la femme dans la vie politique est que la femme, elle est forte. Comme c'est elle qui tient les familles, et on dit souvent construire une femme, c'est construire une nation. Mais sa faiblesse vient quand elle s'appuie sur la parité. C'est-à-dire quand elle s'attend à ce qu'on puisse la donner le même privilège que l'homme, alors que celle-ci ne s'est pas préparée à ses privilèges ou à ses opportunités. C'est en ces points-là, je dirais, il y a une force et il y a une faiblesse. Particulièrement au Congo, les femmes dans la politique au Congo ne se forment pas et ne fournissent pas autant d'efforts que les hommes. Vous verrez, les hommes sont dans des partis politiques, les hommes ont des bases, alors que ceux-ci ne les font pas. Et à la fin, ils veulent le partage du gâteau, comme le disent les Congolais. Et c'est une faiblesse et je pense que ce que je peux leur donner comme conseil, ils doivent participer à la vie active de la politique. C'est-à-dire quand il y a des meetings, ils doivent être là, quand il y a des marches, ils doivent être là. Quand il y a des réunions stratégiques au niveau du parti, ils ne doivent pas dire je rentre à la maison, faire X ou Y chose. Ils doivent participer au même titre que les hommes. C'est sur ces points-là qu'ils doivent... Madame Marie-Claire Assoumini,
Vous avez suivi cet élément avec nous. Quel est votre commentaire par rapport aux différents avis de la population en ce qui concerne l'impact de la femme dans la politique? Merci beaucoup, Madame Rachel. L'impact de la femme dans la politique. On peut dire qu'elle n'impacte pas beaucoup, mais elle a impacté et elle continue à impacter. Parce que la femme est partie de rien. Mais aujourd'hui, on sent qu'elle existe, même dans la politique. Pour preuve, aujourd'hui, nous avons Madame Judith Suminwa qui a été nommée Première ministre. C'est que la femme existe. Et nous pensons qu'elle va aussi impacter par son action. On ne peut pas beaucoup la sentir et sentir son impact parce que la sphère politique est remplie de beaucoup d'hommes. Et elle est là comme si elle se battait dans l'eau, mais elle travaille. Et je pense que les années qui viennent, nous allons sentir son impact parce que lorsque la femme se met à faire quelque chose, elle le fait avec amour, avec cœur. Vous le dites bien, dans les années qui viennent, donc on ne sent pas, vous êtes sincère en disant qu'on ne sent pas encore on la sent pas comme on le voudrait, mais elle est là, elle travaille. Elle se bat quand même comme si elle sortait de... Oui, elle se bat au milieu de beaucoup d'hommes, mais elle travaille. Hein? On ne la sent pas parce qu'elle est entourée de beaucoup d'hommes. Là où vous trouvez 20 hommes, vous trouvez une femme, vous voyez que sa présence ne se fera pas tellement sentir. Mais elle est là, elle travaille. C'est la justification que vous donnez ou de votre incompétence dans la politique ou... Ce n'est pas une... Dans la politique, ce n'est pas une incompétence. La politique, on y va, on fait la politique. Vous savez, la politique, ce n'est pas comme si on était en classe où vous allez faire le concours et il y a le premier, il y a le dernier. Dans la politique, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la politique. Et la femme, là, elle est entrée en politique en retard. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme, on ne la sent pas beaucoup, mais elle est là, elle se bat. Elle essaie de tenir bon et avoir une place au milieu de beaucoup d'hommes. Est-ce qu'elle a elle-même compris son véritable rôle quand elle se lance dans la politique la plus, parce que c'est vraiment une minorité jusque-là. Mais est-ce que quand elle y va, elle comprend réellement son rôle ou elle veut juste se démarquer, faire face aux hommes? Faire face aux hommes, je dirais que non. La femme ne cherchait pas à faire face aux hommes, même si on peut le penser ici. Ainsi, quand on parle de la parité, c'est comme si on voulait arracher quelque chose. La parité, c'est quelque chose qu'on a consacré seulement pour pouvoir donner aussi l'avantage aux femmes, parce que les hommes avaient pris toute la place dans les sphères politiques. Mais la femme, elle est en train de travailler pour essayer de briser ce vase, ce vase qui la bloque, hein? Le verre de glace qui est là devant elle, pour dire que la femme ne peut rien faire. Mais la femme travaille, non pas pour se comparer à l'homme, mais parce qu'elle a quelque chose à apporter à la nation. C'est ça le rôle de la femme dans la politique. Autant que les hommes travaillent, la femme aussi peut travailler, hein, de la même manière. Autant que nous envoyons les filles à l'école et les garçons, autant qu'elles travaillent pour avoir un résultat, de la même manière, la femme peut aussi travailler au milieu des hommes, avec les hommes, pour donner un résultat positif à la nation. Mais quand vous dites qu'elle a quelque chose à donner, elle a quelque chose, elle doit se démarquer, et de même on envoie les hommes à l'école, on envoie aussi les femmes à l'école. Mais madame Jean-Marie Assoumini, est-ce que cette femme-là, parce que par rapport à la représentativité de la femme aujourd'hui dans les sphères politiques, est-ce que cette femme-là qui est toujours minoritaire, même dans les élections précédentes, vous avez remarqué que la femme était minoritaire, est-ce qu'on ne peut pas directement dire que cette femme-là essaie de s'effacer parce qu'elle ne se sent pas compétente ou parce que vous allez justifier qu'on ne lui donne pas la place? La femme n'essaie pas de s'effacer. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est le système qui a fait que la femme ne soit pas élue. Hein, le système politique avec les partis politiques qui placent les femmes sur les listes électorales sans leur donner réellement la place qu'elle doit avoir. Hein, quand vous voyez une femme qui émerge dans un parti politique, c'est qu'elle est épouse, elle est enfant, elle est sœur, elle est cousine dans un parti politique. Les partis politiques sont... l'émanation la plupart des hommes, parce que les partis politiques des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Les partis politiques ont été créés par les hommes. Hein? Et les hommes essaient de prendre toute la place.
Hein. Vous savez, la femme avait été peut-être marginalisée un peu avant. La femme n'a pas bénéficié, n'a pas eu les mêmes avantages que les hommes par le fait que dans le temps où il n'y avait pas les élections, les hommes avaient déjà pris toute la place par les nominations et se sont constitués donc une classe qu'ils cherchent à garder, à privilégier, donc que les autres ne puissent pas rentrer dans cette classe-là. C'est ça l'homme politique congolais. Ils ont créé une caste, comme on le dirait chez les Indiens. Une caste là où vous autres, vous restez à côté. Et eux, ils sont là, ce sont eux et ils restent eux, hein, sans les autres. Alors que les femmes viennent maintenant, mais pour percer, ça devient comme si on se battait. Hein. Or, ce n'est pas se battre. Hein. La femme cherche seulement à avoir une place parce qu'elle a quelque chose à apporter pour la nation. Donc c'est déjà un combat perdu, si vous le dites. On n'a pas perdu, on que est là. Que faites-vous alors? Nous ne cherchons pas à prouver, mais nous cherchons à relever le défi. On ne cherche pas à défier les hommes, mais nous voulons relever le défi de dire que la femme ne peut rien. Hein. C'est ça notre combat. Mais puisque les hommes ne vous donnent pas la place, qu'est-ce que vous faites en tant que femme politique pour essayer un peu de remédier à ces problèmes-là? Nous sommes là en train de nous battre. On essaie toujours de nous battre, Madame Rachel. On ne va pas croiser les bras. Non, mais maintenant, là, ça ne peut pas changer parce que nous sommes en train d'abord de... il y a déjà le Parlement qui est déjà là. Hier, on a eu le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il reste à avoir le bureau définitif du Sénat. Hein. On attend le gouvernement. Hein? C'est dans les institutions où on peut sentir la femme. Les quelques femmes qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale, nous pensons qu'elles peuvent faire quelque chose. Nous espérons qu'elles fassent quelque chose, qu'elles ne s'effacent pas. Parce qu'elles sont notre représentation, donc notre, comment je dirais... Elles vous représentent. Elles nous représentent. Hein? Elles sont là et doivent porter la voix des autres femmes qui sont restées à l'extérieur. C'est notre porte-voix. Hein? Les femmes qui sont là doivent montrer qu'elles sont capables, qu'elles peuvent faire différemment que les hommes. Si le Parlement passé, si l'Assemblée nationale de la fois passée n'a pas fait quelque chose, mais ayant trois femmes au niveau du bureau, nous pensons qu'il peut y avoir une différence. Hein? Pas seulement les trois femmes, mais nous pensons aussi que le président Kamere peut faire quelque chose. Hein? Parce que nous l'avons vu quand il a été à la tête du Parlement les années passées. Et nous pensons qu'il restera la même personne, hein, et avec les femmes qui vont l'accompagner, qu'il y aura un changement au niveau, non seulement de l'Assemblée nationale, mais ils vont militer pour que la population puisse sentir qu'il y a un Parlement, une Assemblée nationale qui fonctionne et qui va travailler pour le peuple, mais avec l'appui de ces femmes-là. À vous entendre parler, j'ai compris que vous avez l'impression de dire que le frein de femmes politiques, ce sont les hommes. Ouais. Alors, Madame Assoumé, vous avez suivi avec nous le baladaire tout à l'heure. Oui. Il y a parce que les hommes aussi ont un regard sur la femme. Ils ont dit, vous avez suivi avec nous, que la plupart de femmes se battent quand elles ne sont pas encore au poste de responsabilité de commandement. Mais quand elles y arrivent, quand elles y accèdent, on ne le sent pas. Elles sont presque effacées au poste où on les place. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous dites qu'on ne vous donne pas l'occasion, mais celles qui sont là, les téléspectateurs, la population, c'est plein que ces femmes ne se font pas sentir. Ils peuvent avoir raison. Parce que, ensemble, nous regardons la scène politique, mais sachant que lorsque on est placé haut, vous avez le regard de tous et on vous jette les pierres. Quand vous êtes, comme je le suis là, personne ne me connaît, personne ne viendra chercher Marie-Claire Assoumini Seki, qu'est-ce qu'elle fait, elle fait ceci, elle fait cela, hein? Pourquoi elle n'a pas fait ceci, pourquoi elle n'a pas fait cela. Mais pourquoi le même regard pour dire que la femme s'efface, on ne porte pas sur les hommes qui font beaucoup de bévues. Les hommes qui se comportent mal. Vu qu'elles sont minoritaires, donc... C'est pourquoi je dis parce qu'elles sont élevées, on jette les regards sur elles. Mais autour d'elles, il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup de choses mal que les femmes ne font pas. Hein? Peut-être parce qu'on ne les voit pas dans les scènes pour faire des mauvaises choses. Mais elles sont là, elles travaillent. Elles sont là, elles travaillent. Hein? Donnez-nous un exemple, Madame Assoumini. Des femmes qui travaillent en République démocratique du Congo qui vous ont marqué jusqu'à présent.
Ah, j'ai été marquée par beaucoup de femmes dans ma vie. D'abord, dans ma tendre enfance, j'étais marquée par Madame Sophie Kanza, qu'on appelait Madame Liaou. Mm-hmm. Ça, c'était le modèle de ma vie. Parce que quand je jouais, mes poupées s'appelaient toujours Madame Sophie Kanza. Mm-hmm. Okay. C'était ça. Oui, elle m'a marquée. Il y a Madame Nzuzua Mbombo qui a travaillé. Aujourd'hui encore, je la salue. C'est une femme qui a marqué son époque en étant gouverneure des provinces au Zaïre. Et il y a des femmes comme Madame, je parlerai d'une autre femme, celle qui était aux affaires étrangères, Ekila Lionda. J'ai pensé à cette femme-là aussi, à l'époque elle a travaillé. Je vois Madame Janine Mabunda, qui m'a aussi marqué lorsqu'elle était au portefeuille et même lorsqu'elle était au bureau de l'Assemblée nationale. Donc il y a tant de femmes qui m'ont marqué, hein, qui ont fait que je puisse avoir de l'admiration pour elles. Puisque vous avez dit que grâce à ces femmes-là, vous avez eu de l'admiration, parlons de vous, Madame Assoumini. Comment ça a commencé? Parce que les femmes, quand elles sont réticentes, elles ne veulent pas trop parler de la politique, elles ne veulent pas trop s'intégrer dans intégrer la politique, mais vous avez osé. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a boosté pour qu'aujourd'hui on puisse parler de vous en tant que femme politique? Il y a beaucoup de réflexions qui sont passées dans ma tête au moment où j'ai commencé. J'ai regardé autour de moi que la femme n'avait pas, donc ne pouvait pas s'exprimer. La femme n'était pas dans les sphères de la prise des décisions. Et là, c'était d'abord personnellement, et j'ai regardé d'où je viens. Quand je regardais d'où je viens, je me disais, pourquoi il n'y a pas de femmes? C'était la première question que je me posais. Je suis congolaise. Okay. Je suis congolaise, mais dans la partie est. Okay. Oui. Là, chez moi, c'est l'islam qui prédomine. Mm-hmm. Alors, les femmes dans l'islam n'ont pas beaucoup de place. Elles sont censées rester, donc vous savez, même s'il y a des chrétiens, mais les gens ont cette culture-là où de ne pas donner la parole à la femme. Et moi, cela m'a révoltée. Mais je disais, comment est-ce qu'on peut vivre? Il y a toujours des hommes qui nous dirigent, mais on ne sent pas, on n'a pas, donc on ne sent pas l'impact au niveau de la population. Hein? La province n'avance pas, hein? Les choses ne changent pas. On a les mêmes personnes qui reviennent tout le temps, hein? Mais qu'est-ce qu'ils font pour être là, hein? C'était des questions qui passaient comme ça dans ma tête. Et je regarde quand nous étions à l'école, même à l'école secondaire, on était peut-être plus intelligentes que certains de ces hommes-là que nous voyons dans la politique. Hein? En tout cas, pour ne pas se dire que c'est vanté, comme ça, je me dis que j'étais parmi les plus intelligentes de ma promotion. Okay. Hein? Alors, je me dis, mais comment est-ce que on ne peut pas aussi entrer dans ce monde-là? Comment est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Si leur intelligence, ils apportent cela pour que ça puisse bénéficier au pays, pourquoi pas moi? C'était ça ma première préoccupation. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas la femme? Hein? Pourquoi je dois rester inactive? Sans rien faire, regarder les choses et me tomber sur la tête, alors que nous pouvons porter notre voix pour faire quelque chose. Nous pouvons donner de notre intelligence, de notre sagesse pour construire un Congo où tout le monde vit dans la paix et dans l'égalité. Mm-hmm. Et où tous les enfants sont égaux et toutes les personnes sont égales. C'était ça mon leitmotiv, hein, pour que je puisse embrasser la politique. Et il y avait des personnes qui m'ont coaché, qui étaient autour de moi, qui me disaient, mais tu es capable, tu peux le faire. Parce qu'il y a certaines prises de position, même au niveau du service, où moi, en tout cas, je n'accepte pas, hein, qu'on puisse marcher sur mes droits. Hein. J'avais cette capacité-là à défendre mes droits. Hein, et les gens me disaient, mais tu peux faire, hein, tu peux avancer. Et j'avais des tantes, qui, elles étaient déjà dans la politique, okay, et qui m'ont poussé à aller être candidate aux élections législatives en 2011. Et mm-hmm. C'est là que tout est parti. Okay. C'est depuis 2010 qu'elles ont commencé à me... J'étais déjà dans le sillage de la politique en 2010. Et en 2011, lorsqu'il y a eu les élections, je me suis lancée aussi dans les élections. Ça n'a pas eu de gain de cause, je n'ai pas abandonné. Et je me suis retrouvée dans un parti politique où j'étais à la direction du parti.
Il y avait un président et j'étais la secrétaire générale. Pendant presque 14 ans, j'ai évolué dans ce parti. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je me retire un peu pour essayer de voir comment est-ce que je peux continuer ma marche en politique et réfléchir sur moi-même. C'est ça. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, je suis toujours dans là. Dans votre combat, vous en êtes dans où? Dans mon combat, j'étais candidate okay. aux élections qui viennent de se dérouler, de proclamer les élections du 20 décembre 2023. J'étais candidate. Je n'ai pas été proclamée élue. Hein, mais je ne vais pas baisser les bras. Hein, je vais continuer. Vous êtes déterminée. Je suis déterminée. Parce que j'ai un message à porter au Parlement. Il y a des projets qu'on peut proposer au niveau du Parlement pour que notre pays puisse avoir la paix véritable. Parce que vous savez, la paix provient de la justice sociale. Tant qu'il n'y a pas la justice sociale, il n'y aura pas de paix véritable dans notre pays. Tant qu'il n'y a pas la paix, le monde des inégalités, hein, là, nous aurons toujours un problème. Ok. Oui. Mais on aimerait bien savoir votre motivation en dehors de ce que vous avez dit, parce que beaucoup se disent que la politique, c'est le moyen le plus facile pour s'enrichir. Madame Assoumini, est-ce que vous êtes aussi pour cet avis-là? Parce qu'en voir votre détermination, vous étiez candidate en 2011, en 2023 aussi, vous étiez candidate, ça n'a pas marché. Vous êtes quand même déterminée à continuer toujours dans ces combats-là. Vous êtes aussi parmi les personnes qui souhaitent s'enrichir parce que la politique est le moyen le plus facile et rapide. Là où je suis, Madame Rachel, c'est vrai, les gens qui sont en politique s'enrichissent. C'est leur revenu, leurs émoluments qu'on leur paye. Bien que les gouvernements les favorisent plus, ceux qui sont par exemple à l'Assemblée nationale, mm-hmm. en laissant pour compte la population. Hein. Mais moi je pense que j'ai une voix, en étant par exemple à l'Assemblée nationale, je peux porter ma voix haut pour qu'on puisse entendre cela au niveau de toute la population, des projets, des lois à proposer pour que la population se retrouve aussi dans ce que l'Assemblée nationale fait. Ça ne doit pas être une Assemblée nationale où on y va parce que je suis là, je suis député, je ne réfléchis pas, je ne fais rien, mais lorsqu'on dit qu'ils sont pour, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes pour. Mm-hmm. Hein? C'est à, qu'est-ce vous que levez vous, quand même la vous main. Levez la main pour dire que je suis pour, qui sont contre, vous levez la main. Non, et il faut... c'est pour ça que vous êtes payé. Et c'est pour ça que vous êtes payé, parfois vous dormez. Non, moi je voulais être là pour parler, être réellement une représentante du peuple. Hein? C'est ça. Hein? C'est vrai, si on me paye, je ne vais pas le refuser. Mais dans mon discours de campagne, la campagne de 2023, parce que les émoluments qu'on paye actuellement aux députés en 2011, ce n'était pas cela. Okay. Hein? Mais moi, dans mon discours, moi, j'ai plaidé pour qu'on puisse revoir le train de vie des institutions, qu'on puisse rabattre le salaire des députés, que la députation, le député national, le Sénat, ça soit un service que d'être un avantage. Un service pour la population, qu'on puisse rémunérer un député comme on rémunère le fonctionnaire. Qu'un député, au lieu de rester chômeur, parce qu'il faut le dire, les députés, ce sont pratiquement des chômeurs. Ok. Ils sont là pendant la session, mais après la session, ils font quoi? Et la session dure combien de temps là? Et les autres mois, ils font quoi? Ils ne foutent rien. Hein? Oh, ils vont dans les vacances parlementaires. Les vacances parlementaires. Ils descendent à la base. La base, mais qu'est-ce qu'ils font à la base? Qu'est-ce qu'ils font à la base? Sinon qu'ils arrivent là, ils ont leur argent, les gens viennent faire des courbettes. Hein? Qu'est-ce qu'ils font à la base? C'est le discours que nous entendons souvent, hein, quand vous n'êtes pas encore à ces postes-là, vous n'avez pas encore de siège au Parlement, c'est le même discours que nous entendons de tous, Madame Assoumini. Oui, c'est le même discours, j'ai dit qu'on me paye, je serai là aujourd'hui, on me payerait, mais je parlerai toujours. Vous me donnez, c'est parce qu'on le paye à tout le monde. Je ne vais pas laisser le salaire pour dire que je laisse le salaire pour qu'on puisse le distribuer aux autres alors que les autres touchent. Hein? Non, je vais prendre mes émoluments, mais je vais plaider pour que ces émoluments soient baissés. Au lieu de toucher, je suis seule, je touche 20 000, 25 000, 30 000 dollars, moi seulement. Est-ce que vous avez pensé à ce fonctionnaire-là qui va sur le même marché que vous, qui ne touche pas 100 dollars? Vous avez pensé à l'enfant de ce militaire-là, dont le papa se bat pour le pays, et qu'on doit lui payer 75 dollars
ou même 100 dollars, même 150 dollars si on peut parler ainsi, qui va sur le même marché, qui doit faire étudier ses enfants. Est-ce qu'on pense en cela, à cela plutôt? Je ne le pense pas. Hein? Moi, en tout cas, je plaiderai toujours pour qu'on puisse rabattre le salaire des députés, réduire le train de vie des institutions, même du gouvernement, des ministres. Vous imaginez, le Congo, c'est vrai, on dit que nous sommes un scandale géologique, mais est-ce que ça profite à la population? Ce qui revient, ce que le Congo gagne, est-ce que c'est une redistribution équitable? Non, on ne redistribue pas la richesse selon qu'on doit le faire. Je pense que l'Assemblée nationale, étant l'organe législateur, devrait penser à ce que c'est la vie de la population, c'est que la vie de l'enseignant, la vie du militaire, la vie de toutes les autres couches de la population, même de la femme ménagère, comme on les voit sous d'autres cieux, où il y a des allocations sociales qu'on donne, familiales, aux familles nombreuses, pour soutenir les études des enfants, pour soutenir leur vie, les soins médicaux. Hein? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut plaider au niveau de la population. D'ailleurs, je pense que les projets que j'avais, comme je ne suis pas d'ailleurs, c'est à l'Assemblée... c'est là que je voulais en venir. Ouais. Quels sont vos projets ou quels étaient vos projets? Admettons qu'aujourd'hui, vous étiez là. Vous avez eu un siège. Quel serait votre projet ou votre cheval de bataille, votre méthodologie pour faire changer les choses dans votre circonscription? J'avais déjà un projet que je voulais proposer à l'Assemblée nationale et je l'ai partagé pendant la campagne. Je me disais que nous devons accorder des allocations familiales aux familles. Cela aiderait même la famille des militaires, même si on lui donne le solde là qui est insuffisant, mais avec les allocations sociales pour les enfants, ça pouvait aider ces familles-là à bien faire étudier leurs enfants que d'avoir des colonnes de chèques partout. J'allais penser également aux étudiants. La plupart de ceux qui sont là ont étudié avec des bourses d'études qui n'existent plus aujourd'hui. Moi, j'avais déjà pensé qu'on peut ramener le système de bourses d'études en y allant par panier. On commencerait par exemple, les étudiants de deuxième licence qui sont en train de terminer les études le troisième graduat. Cela pouvait aider les parents par rapport aux charges que ça donne, que le coût que cela donne, les troubles que ça donne aux parents. Quand un enfant est en année terminale à l'université, les parents sont pratiquement malades parce qu'il y a des coûts qu'ils n'arrivent pas à supporter. Si on peut ramener la bourse d'études, si on peut, dans les universités officielles, pas dans toutes les universités, oui. Parce que maintenant il y a même des universités derrière les maisons. Maintenant, dans les universités officielles, si on peut ramener la bourse d'études, d'abord on commence par les classes terminales et petit à petit on avance. Parce qu'on ne va pas dire que cet argent-là manque. L'argent-là ne manque pas là. Quand on entend parler des millions, c'est qu'il y a de l'argent. Les millions qui tournent dans notre pays, dont on nous parle par-ci, par-là, c'est qu'il y a de l'argent pour pouvoir prendre tout le monde en charge. Ça, c'était les deux projets de loi que j'avais d'abord, hein, que j'avais déjà préparé. Et je pense que dans les jours à venir, je pourrais trouver un député avec qui on peut partager cela pour qu'il puisse porter cette voix-là. Ça ne doit pas attendre les jours où je serai au Parlement. Qui sait si je serai là en ce moment-là, si je ne serai peut-être pas déjà morte ou je ne serai pas à mesure d'être au Parlement. Je peux être malade. Mais je vous peux comptez être... quand même partager votre je compte les partager parce que c'est pour l'intérêt de la population. Et aussi, comme je venais de dire, moi je vais toujours parler pour qu'on puisse diminuer le train de vie des institutions. Et vous êtes fier déjà d'avoir déjà la première ministre qui est déjà, bon, bien que le gouvernement n'est pas encore connu, à l'entendre parler, son discours, vous sentez déjà que ça promet ou vous avez encore de doutes, attendre voir ce que ça va donner? Nous attendons voir ce que ça va donner. Parce qu'il faut qu'elle travaille d'une manière un peu, qu'elle soit libre, qu'elle ait les mains libres pour le travail. Je pense qu'une femme, si on la place là où elle est et qu'elle a les mains libres, elle peut faire beaucoup de choses, elle peut changer.
je ne sais pas, quand on parle par exemple de l'environnement et que vous sortez sur la route, qu'est-ce que vous y voyez? Moi, je ne vois rien. Mais je pense qu'avec une femme première ministre, elle peut donner l'impulsion au ministre de l'Environnement, au ministre de TP, à tous ses ministres, à tout son gouvernement, chacun dans son domaine, de faire quelque chose pour que la condition de vie de notre pays change. Vous allez dans l'arrière-pays. On ne sait pas si nous avons un gouvernement qui travaille, mais il n'y a pas de route. Partout. Je ne parle pas des routes de Kinshasa, je parle des routes d'intérêt national. Okay. Il n'y a pas de route. Peut-être qu'on peut encore voir l'axe du Congo central, où on peut encore arriver jusqu'à Boma, ou jusqu'à Mwanda. On peut encore voir l'axe de Bandundu jusqu'à un certain niveau. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route au Congo. Est-ce qu'il y a un ministre qui travaille? Mais nous entendons parler des millions. Mais je pense que Mme Judith doit faire un effort, qu'elle ait un regard de cette femme-là qui s'impose chez elle, qui peut mettre de l'ordre chez elle, qui peut arranger chez elle. Hein, parce que c'est la femme qui éduque la nation. Mais est-ce que, oui, présence, c'est la femme qui éduque, mais oui. Est-ce que la femme de nature, vous le savez, vous êtes femme, oui. Elle est faible de nature. Elle est aussi émotive par essence. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, dans un contexte sociopolitique aussi laissez complexe moi. Que la RDC, elle pourra porter ces poids-là et faire laissez changer les choses? Laissez-moi rire, Madame Rachel. Pourquoi dit-on que la femme est faible de nature? Elle l'abandonne très, très rapidement. Ça, ce sont les hommes qui le disent. Elle est émotive. Et une mère doit être émotive. Si une mère n'a pas un cœur sensible, et je ne sais pas ce que sera sa famille ou sa maison. Mais en fait, c'est un pays comme la RDC. Est-ce qu'elle pourra porter ses poids? Elle est capable de les porter. Madame Rachel, nous avons laissé ce pays entre les mains des hommes autant depuis l'indépendance. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire confiance à la femme pour dire qu'elle peut aussi faire quelque chose? Je dois faire confiance à cette femme-là. Hein, et avec le soutien de toutes les femmes, nous pensons qu'elle est capable de faire quelque chose. Hein, elle est capable de changer, qu'elle ne se laissera pas influencer par ceux qui sont là. C'est vrai, les hommes pensent que, et même nous, la population, il y a des fois, voyez, là où je suis cadre de direction. Hein, vous savez, les gens pensent que lorsqu'il est directeur en veste, il doit être plus considéré que la femme directeur en pagne. Donc quand je passe comme ça, on me prend pour une femme qui vient. Donc on peut vous prendre pour une secrétaire. Mais quand c'est un homme qui vient là en veste, on pense qu'il est fort. Non, la femme n'est pas faible. La femme, c'est une force tranquille. C'est une force. Si elle s'y met, elle peut. Et je sais que Mme Judith peut faire quelque chose à la tête du gouvernement. Et les hommes ne vont pas l'intimider parce que les autres femmes seront derrière elle pour la soutenir. Ah, vous êtes aussi derrière elle? Oui. Parce que c'est une femme? Parce que c'est une femme. Parce que vous dites que la minorité, et cette minorité-là, nous devons la soutenir pour qu'elle puisse se distinguer parmi les hommes dans la politique actuelle du Congo. Elle doit se distinguer. Vous avez parlé des difficultés, vous avez parlé des obstacles, vous avez parlé de tout ce qui empêche la femme politique de sortir sa tête et de se démarquer. Mais Madame Assoumani, quels sont les mécanismes maintenant à mettre en place pour changer les choses dans ces pays, pour que la femme puisse se démarquer et donner le meilleur d'elle-même dans la politique? Je ne sais pas s'il y a des mécanismes appropriés pour que cela se passe. Déjà, la Constitution nous a accordé la parité. On dit qu'il doit y avoir 30% de femmes, au moins 30% de femmes dans les institutions. Aujourd'hui, avec les élections, on n'a pas eu gain de cause. Les femmes n'ont pas été beaucoup massivement élues. Il y a le gouvernement qui arrive. Je pense que les chefs des partis politiques doivent proposer plus de femmes. Parce que ce sont des femmes ou parce qu'elles sont compétentes? Parce qu'elles sont compétentes. Il ne faut pas aller et quand prendre... Et quand il n'y a pas de femmes compétentes? Elles sont là. Elles sont là, moi j'ai dit qu'elles sont là. Les femmes compétentes, il ne faut pas commencer à dire qu'elles doivent faire le concours pour être compétentes. Non, elles sont là. Hein? Moi j'ai parlé une fois avec une de vos collègues journalistes, j'ai dit, mais Madame Kabedi, qui dirige aujourd'hui la Banque Centrale, n'est-ce pas, ce n'est pas une femme compétente?
Elle n'a pas travaillé à la Banque centrale comme le feraient les autres gouverneurs. Elles sont là. Vous avez des capacités en tant que journaliste. Pensez-vous que vous ne pouvez pas avoir donc, des idées à mettre sur la table pour qu'on puisse en discuter? Les hommes cherchent à nous étouffer. Mais nous sommes là maintenant, on ne peut plus accepter cela. Parce que nous faisons les mêmes études et nous ne devons pas toujours supporter cette capacité masculine-là à dire que la femme est faible. Non, les femmes ne sont pas faibles. Les femmes, elles sont sages et elles se calment. C'est ça. La femme n'est pas faible. La femme, elle est seulement sage et elle traite les choses avec, comme vous avez dit, pas avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de tempérance. C'est ce que je pourrais dire. Un mot pour à toutes ces femmes-là qui vous suivent en ce moment, qui se disent qu'on ne peut pas parce que les autres qui nous ont précédés ont déjà échoué, parce que, comme vous l'avez dit, le combat est souvent contre les hommes qui veulent vous étouffer, donc je dois abandonner. Un mot à toutes ces femmes qui vous suivent en ce moment. Nous avons été nombreuses à postuler comme candidates, les femmes congolaises. C'est vrai que nous n'avons pas été massivement élus. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Mais on dit toujours qu'il faut reculer pour mieux sauter. L'échec d'aujourd'hui doit nous être une leçon pour demain, pour l'avenir. Donc nous devons savoir comment nous devons sauter pour arriver à notre but. Il faut avoir un objectif dans sa vie. Moi, j'ai un objectif et je vais la poursuivre. Un jour, je serai à l'hémicycle, je serai parlementaire. Un jour, je serai même dans le gouvernement pour parler, pour essayer de faire quelque chose pour l'intérêt de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de personnes sages comme des femmes. Je sais qu'elles sont nombreuses là devant moi. Elles me voient, mais je sais qu'elles sont nombreuses et c'est une force que si les femmes s'élèvent aujourd'hui dans ce pays, en tout cas, le changement, il est à la porte. Merci beaucoup, Madame Assoumini. Un mot aussi à toutes les femmes de l'Est qui vous suivent en ce moment. Oui, j'ai très mal au cœur quand je parle de la femme de l'Est. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est pourquoi je n'ai pas abordé ce sujet. Parce que chaque fois que je pense à cela, j'ai des larmes aux yeux. Et comme j'ai dit qu'elle vous suit, peut-être qu'elle ne vous suit pas, mais qui, les femmes qui peuvent changer les choses, qui vous suivent en ce moment? Elles sont là, elles se battent pour l'Est. J'ai fait une petite salutation à Madame Miss Lusenge. Oui. Lusenge, je la suis de loin. Je la félicite pour son combat pour la femme et toutes les activistes de droits des femmes qui se battent pour les violences, les viols qu'on peut faire à la femme congolaise. Et je salue toutes ces victimes de l'agression, ces femmes qui perdent leur... Vous avez des larmes, Madame Assoumini. Oui, j'ai des larmes aux yeux. Quand je parle de la femme de l'Est, j'ai des larmes aux yeux. Parce que ce n'est pas normal que pendant autant d'années que nous avons un gouvernement qui ne fait rien pour la femme, pour l'Est du pays. Là, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. On sent la femme qui parle. Oui. On sent la femme qui se met à la place de la femme. Pas seulement à la place de la femme, mais à la place de tous ces enfants, de tous ces hommes qui perdent leur vie, parce que c'est la mère. Là, je parle en tant que mère. Nous avons les hommes là qui meurent, ce sont nos enfants. Les militaires que nous envoyons au combat, sans armes, sans munitions, ce sont nos enfants. Ce sont des pères de famille. La femme n'existe pas sans l'homme. La femme n'existe pas sans l'homme. Donc, les femmes qui meurent, les enfants qui meurent, les hommes qui meurent, en tout cas, j'ai gardé une pensée pieuse pour eux. Et je sais que le soleil s'élèvera à l'Est, un jour. Le soleil s'élèvera à l'Est, un jour. Merci beaucoup, Madame. Et cela, ce n'est pas pour longtemps, le soleil s'élèvera à l'Est. Merci beaucoup. Okay, merci. Je suis très touchée de vous voir en larmes, parlant de femmes de l'Est. Merci beaucoup, Madame Assoumini. Vous êtes cadre politique, actrice politique, cadre dans une institution publique de la place. Oui. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence. Ok, merci beaucoup. Et bientôt là, je suis cadre, je suis en train de partir en retraite. Je serai libre dans la politique pour commencer à travailler sans relâche.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission « Regard sur la femme ». Aujourd'hui, nous avons jeté un regard sur la femme politique, la femme dans la politique, son impact, son rôle dans la politique, surtout dans ces sphères un peu plus compliquées, dans un contexte sociopolitique complexe de la République démocratique du Congo. Cette femme-là, malgré les obstacles, malgré les combats, elle n'abandonne pas. Parmi elles aujourd'hui, nous avons reçu Madame Marie-Claire Assoumini, qui est aussi actrice politique et cadre dans une institution publique de la place. Amoureux téléspectateurs, nous vous signalons que ces portes sont aussi ouvertes pour vous. Vous êtes femme, politique, avocate, maraîchère, quel que soit le domaine, vous êtes chercheur, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, nous mettons la lumière sur toutes les femmes qui se démarquent. Alors n'hésitez pas de nous contacter à ce numéro-là qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Prenez soin de vous et à la prochaine.